un homme ici. There is a man here. On vous a amené chez un marabout. Vous êtes allé chez un marabout. We brought you to a witch doctor. Parce que votre vie était bloquée. Because your life was blocked. Et le marabout, si on l'appelait bêta. Bêta. On vous a amené chez un marabout. Vous étiez chez un marabout. Did you go to a witch doctor? Oui, on l'appelait comment? How? Bêta. C'est ma? Bêta. C'était maman bêta. Oui, maman bêta. D'accord. Attendez, attendez. Jean, oui. C'est qui? Jean, c'est qui? Jean. Who is Jean? Travailler avec quelqu'un. I saw you like working with Jean. Someone called Jean. Où c'est un ami? C'était un ami. Oui. C'était un ami. Il est où? Where is he? Je ne sais pas où il se trouve actuellement. On l'appelait comment? How was he called? Jean, d'accord. Sisters. Ok, vous étiez avec Jean et il vous parlait d'une jeune fille le jour-là. Il vous parlait d'une jeune fille girl, comme sa copine. Like his girlfriend. Il vous parlait de son ami. He was talking to you about his friend. Avec qui ils avaient eu des problèmes. With whom they had problems. Et il se plaignait d'elle. And he was complaining. Et puis vous vous disiez non, écoute, c'est pas comme no, ça qu'on fait. Il listen, faut lui donner le temps. Effectivement. Hein? C'est ça. Oui. Ok, je vous dis ça pour vous rappeler quelque chose qui s'est passé que vous ne connaissez. Hein? Il vous a proposé la cigarette. He proposed cigarettes, mais vous avez refusé. But you refused. C'est ça? Isn't it? La cigarette si venait de loin. This cigarette was coming from far. Ah, vous saviez ça? Did you know it? Vous savez juste qu'on vous a proposé la cigarette. Vous you avez just know refusé. They proposed cigarettes to you and you mais refused. La cigarette si venait de loin. Il that avait une cigarette qui fumait. Il y avait trois dans sa poche. Three il vous a proposé une. In his pocket. He proposed one. Vous avez dit non. You said no. C'est Dieu qui vous a sauvé. It is God that amen. Saves you. Amen. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle I saw someone called Hein? C'est mon neveu. On l'appelle comment? How is he called? Bon. Votre neveu, on lui a donné le nom. Your de l'un de vos grands-pères. They gave him the name of one of your grandparents. On l'appelait Amen. Et qui est mort? And who is dead? Amen. Votre maison, vous avez un voisin. Your house, you have a neighbor. Qui se nomme Esomba. Called Esomba. Hein? Vous avez un voisin. You Amen. Have a neighbor. Il y a un papa qu'on appelle Esomba. Amen. Esomba. Il y a un manguier devant sa concession comme There's chez vous. There's a mango tree in front of his building. Il y a un manguier mango devant tree sa maison. In front of quand his traverse, house. Quand on traverse sa maison. Cross on traverse house. Sa maison. Amen. Cross his house. Parce qu'il y a la route. Because there's a road. Il y a la grande route non goudronnée. The côté droit. Right on traverse side, la maison de ce Esomba. Et puis il y a comme une montée. There is like a hill. Hein? Il y a comme une montée et like puis hill, il y a la cour de votre maison. There is a compound Amen. Of your house. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Oui, il y a la cour de votre maison. There is a compound of your house. Et si on traverse la cour de votre maison, and if we cross the compound of your house, la fontaine. The fountain est derrière. Amen. C'est Amen. Ça? Daddy. Amen. Après la fontaine, il y a l'école. L'école. After hein? The fountain, there is a school. Après la fontaine, il y a l'école. Amen. C'est ça? Isn't it? D'accord. Moi, je ne connais pas votre village, mais c'est Jésus. Amen. Jésus connaît tout. Amen. Qui fait dans la coiffure? Who does in hairdressing? Vous faites dans la coiffure. You do in hairdressing. D'accord. Mais ça ne marche pas. But it does not work. Vous êtes dans les difficultés terribles. You were in terrible difficulties. Mais but vous êtes découragé. You are discouraged. Mais la prière que je veux faire sur vous. But the prayer I will do on you. Madame, je vous ai vu aller dans votre village en starlet l'année prochaine. I saw you going to your village in starlet next year.